bienvenue dans la présentation de l'application Colabracam qui a pour but de permettre l'enregistrement de plusieurs sources vidéo simultanées. Alors pour pouvoir créer une vidéo, on va se rendre dans cet onglet ici. On crée éventuellement un nom de session. Et ensuite, si les iPod et iPhone sont sur le même réseau Wi-Fi, on va pouvoir les retrouver. Donc ici, je peux choisir d'afficher par exemple l'iPod des loulous. Et donc l'iPod des loulous, c'est celui qui se trouve ici. Voilà, donc quand on voit que j'approche ma main, c'est lui qui prend. Je peux ensuite afficher ici l'autre iPod des loulous. Donc c'est celui qui est là à ma droite et qui montre le micro. Et je peux ici amener l'iPad qui est juste en face de moi, hop, qui prend les câbles. Voilà, donc là ici j'ai déjà trois sources. Chaque caméra a un numéro, et ici on voit bien que c'est le numéro 1, le numéro 3, le numéro 2, donc ça permet de se repérer dans l'espace, savoir quelle est la source qui filme et ce qu'elle filme. Oui, si celle est en train de filmer, ça fait deux. Si je fais ça, hop, c'est celle-là qui filme en direct. Là, à nouveau ici, je vais cesser l'enregistrement. Voilà. Et après, je peux normalement collecter les clips qui sont réalisés. Donc j'ai six clips collectés. En fait, ce qu'on voit, c'est que les iPods et autres transfèrent les clips en direct. Voilà, et là, tout le monde m'a dit « Ok, transfert complète, transfert complète ». Donc, on va voir ce que ça donne. Par exemple, ici, a priori, si je touche à nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de filmer. Si, voilà, donc on a bien les trois, et on a en fait tout le montage que j'ai réalisé, mais pas du simultané. C'est-à-dire, on va avoir le montage des successions de cams, mais pas forcément des images les unes dans les autres.